Bon, du coup. Alors, ça donne que moi je trouve que monsieur Simpson s'en veut un petit peu trop sur la mort. Bon, comme je lui ai dit, c'est bien. Après, c'est trop s'en vouloir, c'est. Enfin, ce que je lui ai dit, c'est surtout s'en vouloir pour la mort de mademoiselle Brandt, c'est bien. Ça prouve que vous êtes humain, ça prouve que vous êtes capable de. D'accepter encore entre guillemets vos erreurs, monsieur Simpson. Donc c'est ce que je lui ai dit tout à l'heure. Après, c'est vrai qu'il y a un petit truc, ça fait combien de temps que monsieur Renfort qu'il est dans la police avec vous? Il me semble que vous avez deux cadets à la base, enfin dont un qui est un petit peu désert, mais. Justement, lui. Ok. C'est à l'instant même, enfin, juste après que ça sera fait. Alors, bon. Ah, t'es la police, le cadet. Ok. Moi, je pense que ça sera un avantage pour vous, pour Monsieur Simpson. Il a un compromis qu'on a parlé, que je vais pas citer, ça reste entre lui et moi, évidemment. Sauf que cependant, il est vrai que ça fait quand même un certain temps qu'il est avec vous, qu'il prend quand même l'initiative. Bon, peut-être certainement à corriger sur certains points. Cependant, je pense que c'est un de vos agents qui est quand même le plus actif. Je pense que vous, au moins que vous me dites le contraire, mais. Voilà. Alors, il était en tant que caporal, je crois, caporal-chef, si je ne me trompe pas, dans l'armée. Oui, c'est ça. Je lui ai dit qu'en étant caporal dans la police, ce serait beaucoup trop élevé. Il est vrai que bon, ça fait un certain temps, et que malgré les petites fautes, voilà. Moi, je vous propose qui passe directement au sergent-chef. Et que par contre, il m'a fait aussi une remontrance envers vous, monsieur Renfort. C'est qu'apparemment, vous ne félicitez pas beaucoup de contrôle aux agents. Alors évidemment, comme j'ai dit à monsieur Simpson, faut pas féliciter non plus tous les jours. Mais par exemple, sur des grosses interventions, sur le fait. Voilà. Alors, évidemment, un petit contrôle, vous n'allez pas féliciter monsieur Simpson, c'est pas un enfant. Hein, voilà. Non. Et voilà, si par exemple vous devez intervenir sur des grosses interventions ou autres, voilà, une petite félicitation. Puis aussi, s'il est vraiment actif aussi, plus que l'autre agent, faut aussi les monter en grade. Et aussi, dans le fait que, tout simplement, il doit aussi y avoir voilà, un contact. Ou après, c'est bien comme je vous ai dit. Il va falloir aussi que quand vous n'êtes pas en service, que vous essayez d'apprécier votre capitaine. Et que vous aussi, monsieur Renfort, vous appréciez votre agent. Et là, je parle en service. En dehors du service, il n'y a aucun problème. Hein. Oui, mais bon, ce que m'a dit monsieur Simpson, c'est juste du bonjour, salut, ça va? Bon. Voilà. Il faut partir du principe que dans la police, c'est comme à l'armée, comme la CIA, vous êtes une famille. Vous, en tant que capitaine, monsieur Renfort, vous êtes censé être le papa de monsieur Simpson. C'est une métaphore, bien sûr. Évidemment. Vous n'allez pas donner le biberon à monsieur Simpson. Non, bien sûr. Mais pour revenir à ce que vous avez dit, très excellent chef, c'est sûr que c'est pas tout de suite quand même. Je pense que si ça peut se mettre en place tout de suite, par contre, je vais demander un compromis. Je vais quand même dire pour les vacances, je vais essayer de prendre au moins une semaine à 2 semaines de vacances. Histoire de se vider la tête sur le fait de ce qui s'est passé en ville récemment. Qu'il aille profiter de ses amis. Voilà. Qu'il oublie un peu le travail. Et comme ça, il revient. En pleine forme. Voilà. Plus en forme que jamais, j'ai envie de dire. Regardons. Puis que ses efforts continuent. Continue, pardon. Continue. Je suis inventé un mot, là. Donc, voilà. D'accord. Donc, après ce soir, j'invite à prendre donc ouais, une ou deux semaines, quoi, de vacances, hein, on va dire. Pas d'intervention, pas de machin, pas de service. Je veux pas te voir au Non. poste. Voilà. Non. Après, évidemment, si. Sinon, ça va chier. S'il est en haut, hein, parce qu'il avait quelqu'un, par contre, vous n'avez pas le mental, alors. En haut à l'étage,
Ça Non, m'envoie plus si mieux. il est en haut, si à l'étage, voilà, il n'y a pas de problème. Quand je dis open, je m'entends. Ça veut dire ici, quoi. D'accord. Et après, question montée de grade, ouais. Passer directement au sergent-chef, pas quand même. Ça va, monsieur Renfort, il saute quand même 4 grades, si je m'abuse. Et en vrai. Je viens de passer directement au plus haut des officiers après, y a pas de problème, mais... Ben, moi, ce que j'ai cru entendre, c'est que le plus gros officier sera sergent, donc bon, vous allez pas gibotter pour sergent, c'est un chef. Non, quand on dit officier, le plus haut des officiers, c'est officier 3, quoi. Ce serait pas suffisant. Je pense qu'en effet, il était caporal, sur enfant, donc il a quand même des compétences qui peuvent être. Non. Et de toute façon, c'est même pas une négociable, sur enfant. C'est un ordre. J'ai l'impression que monsieur Renfort, vous avez un petit peu du mal à. Déjà à avoir de l'autorité, mais vous avez un petit peu du mal à gérer votre équipe. Ça vaut. Ça me fait quand même un mois qu'il est en tant que cadet. Ça fait quand même un mois qu'il est en service tous les jours. Et là, vous êtes en train de me dire qu'il mériterait qu'être officier 3. Le mener directement dans les hauts grades, c'est normal. Sergent-chef, c'est très bien, c'est ni. En vrai, c'est ni trop gradé. Il est dans les hauts gradés, mais il n'est pas non plus dans les ultra hauts. J'ai l'impression que monsieur Renfort, vous avez peur que M. Simpson atteigne lieutenant-chef et que du coup ça soit votre bras droit, si je puis dire. Ah non, ça, vous trompez totalement. J'espère bien. Si jamais il prouve être vrai bras droit en tant que lieutenant-chef, oui, il n'y aura pas de problème. Je trouve juste que de passer de cadet, puis de terminer Donnez-moi les raisons pourquoi. sergent-chef, je trouve. Donnez-moi les raisons. Ok. Il s'est quand même pris déjà de grosses remontrances quand même. Oui, mais bon, après, il y a les remontrances qui, bon, voilà, faut comprendre que vous êtes censé être humain. C'est pas avec. Enfin, c'est pas moi, hein. Ce n'est pas avec Écoutez, monsieur deux Renfort. grosses remontrances qu'on passe directement sur le chef. Écoutez, monsieur Renfort. Vous, votre femme, il me semble qu'actuellement elle est en prison, je vous rappelle. Si ça aurait été l'inverse, si, sur actuellement, elle se serait suicidée ou même assassinée, par exemple, je pense que vous serez aussi dans le mal, au point de quand même limite un petit peu être un petit peu sur les nerfs, un petit peu. Voilà. Alors, certes, ça n'exclut pas le fait de certaines choses, et je pense que maintenant, avec la discussion qu'on a eue, il a tout à fait compris. Donc moi je vous demande un petit peu d'être un petit peu plus humain, monsieur Renfort. Parce que là, pour moi, vous avez l'impression, j'ai l'impression de voir quelqu'un qui. Bon, en fait, qui en a rien à foutre, en fait. Parce que pour en sortir, ses collègues. Sauf que ça, si on s'en aperçoit, vous savez ce que c'est qui va se passer, monsieur Renfort. Ça va être votre plaque. Ciao, bye bye. En général, faut savoir que. La jour 12, quand on se. Les intuitions ne se trompent jamais. Donc si je commence à sentir ça, c'est que vraiment, on vous le montrer. Faux. Un petit peu lunaire quand vous parlez pendant 2 minutes, parce que là vous êtes un petit peu. Vous êtes capitaine, mais je m'endors un petit peu. Putain, mais un peu plus de lunaire. Là, vous êtes capitaine, bordel de merde. Réveillez-vous. Réveillez-vous. Vous êtes censé avoir de l'autorité, vous êtes censé. Si, ouais, c'est juste que dans ma tête, je ne peux pas gueuler. Pas parler fort. Eh bien, soyez au moins direct, vous n'êtes pas obligé de gueuler non plus. Être direct. Très clairement, là, pour moi, vous dormez à moitié, là.
Moi, je vous demande pas de gueuler. Je vous demande d'être direct. Là, comme je parle, par exemple, est-ce que là, je suis en train de gueuler? Je suis juste direct. Fort. Non, je parle pas fort, en fait. Ça se voit que vous avez pas. Vous en souvenez pas de ce qui s'est passé quand j'ai fait la première remontrance à Monsieur Simpson? Oula, oula, alors là c'était même pas les forces, c'était gueuler. Non, je parlais juste fort en fait. Fort et direct. Oui. Quand je gueule, ça peut être pire que ça. J'ose pas imaginer. Pas faire des cauchemars la nuit. Ouais, mais moi je vous parle sérieusement. Essayez de. D'être plus direct, plus string, plus la patate. Et je pense que les gens vous entendraient plus avec votre agent, parce que j'ai l'impression que vous deux, il y a un petit peu un mur en béton là. Entre vous deux. Donc, on va faire très simple. Il n'y a pas de raison. Non, 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 par De contre. base, je m'entends bien avec lui. Oui, mais mesure enfin. On va pas tortiller du cul pour marcher droit, hein, comme on dit. C'est simple, je vous donne une semaine. Si dans une semaine, je vous vois toujours en train de. Comme ça, c'est simple. Je vous mets à pied. Et si la mise à pied ne vous convient pas, ça sera viré d'office. Et ce sera Monsieur Simpson qui prendra votre place. C'est évidemment inapprouvé. Là, vous l'avez bien fait, là. Je pense que même Simpson, Monsieur Simpson peut être choqué. Vous avez fait une réponse directe. C'est comme ça qu'on va voir. En fait, tout simplement, faut que vous arrêtiez vos mimèmes de genre. Machin, monsieur. Non, non. Vous êtes capitaine, vous êtes censé dire les mots directs, et vous êtes censé ne même pas chercher vos mots. Si je cherche pas les mots, c'est-à-dire des choses qui blessent, et ça, je ne sais pas, malgré tout. Ça veut dire que par contre vous avez des problèmes mentaux. C'est là que votre mental, vous n'avez pas le contrôle. Vous n'avez pas par hasard le syndrome de la Gilles de la Tourette, monsieur, par hasard. Non, ça non. Ben voilà. Donc il y a un peu un point de contrôle, ça n'empêche pas. Moi j'ai un contrôle quand je parle, quand j'élève la voix, quand je gueule, j'ai un contrôle. Donc vous soyez direct et arrêtez de réfléchir. Parler sans réfléchir, c'est pas bon non plus. Non, mais des fois, c'est bien. Oui, mais sauf que là, on a vu ce que ça a vu. Vous êtes beaucoup trop lent avec Monsieur Simpson. Monsieur Simpson, des fois, ne comprend pas du tout si vraiment c'est une remontance ou pas, parce que vous êtes beaucoup trop lent. Et on voit bien ce que ça donne aujourd'hui. En fait, la faute ne vient pas totalement de Monsieur Ok, Simpson. donc j'étais trop soft. Ok, c'est noté. Voilà. Mais bon, c'est pas non plus d'être aussi strict hein, comme tu. Pas aussi d'être plus arabe, tu vois. Faut savoir parler Ah par non, le juste milieu, tu vois. faut faire le juste milieu, mais évidemment, évidemment. Et voilà, là par exemple, vous parlez correctement. C'est très bien. Parlez. Surtout, des fois, depuis tout à l'heure, on a une conversation très simple, des réponses très simples, et on a l'impression que vous réfléchissez beaucoup trop, alors qu'il n'y a même pas besoin de réfléchir. Vous êtes capitaine. Est-ce que sur le terrain, il y a un Kugus qui a une mitrailleuse, une grosse mitrailleuse dans les mains? Est-ce que Il n'y a vous pas allez besoin de prendre. réfléchir là-dessus. Là, c'est neutralisant. Hein. Il n'y a même pas à chercher à chiquer. Ben voilà. Ben, c'est le même principe, en fait. C'est le même principe que vous devez avoir avec vos hommes. Alors, évidemment. Et comme. Pas une neutralisation non plus, mais voilà. Non, clairement pas. Voilà, Et c'est quand, en. capitaine, vous dites. Quand vous dites LFPD, vous parlez tout doucement. Non, c'est LFPD, et puis voilà. C'est un peu le ton aussi. La personne qui est dans la voiture, il la trompe pas. Oui, parce que je vais vous dire un truc. Les suspects, en général, il faut les prendre comme des gamins. Voilà. Et les filles, Vous voulez quand même pas non plus qu'on les prenne par la main. Mais non, mais putain! Non. Allez, les enfants, on va faire la garde à vue. Allez. Allez.
J'ai perdu les enfants. Mais non, mais c'est-à-dire que si vous... Quand je dis c'est comme des enfants, c'est limite quand vous demandez Oui, juste... faut leur parler clairement, quoi. Faut leur parler clairement. Voilà, Oui, c'est simplement, même j'ai pour un bien compris. contrôle, même pour un contrôle de routine, hein, tout simplement. Et là, LAPD, mettez-vous sur le côté, coupez le contact et restez dans votre véhicule. Voilà, c'est vraiment direct. Parce que la majeure partie des jeunes, on sait qui aiment bien la vitesse. Forcément, si vous êtes en mode LAPD, garez-vous sur le côté, coupez le contact. Le jeune, lui, il va se dire, bon, j'ai affaire à un policier qui dort. Qu'est-ce qu'il va faire? Bah, il va faire une poursuite. Alors, ok, au pire des cas, au niveau de la loi, il s'empire. Mais bon, c'est quand même, on n'est pas là non plus pour les mettre en Si on garde peut à vue. éviter, Hein. c'est mieux. Mais voilà. Donc, être Limite, direct, c'est pas on se de réveille. faire une pompe à fric pour l'État. Non, justement, c'est. Voilà, c'est ce que je dis, hein. Le but, Donc c'est voilà. pas de faire ça. Donc voilà, tout simplement, quand vous faites un contrôle, c'est toujours LAPD, garez-vous sur le côté, posez les clés sur le tableau de bord, évidemment, parce que on peut toujours avoir les clés sur le contact, et vous restez dans le véhicule. Et c'est simple, un truc que d'abord, il me semble que vous n'avez pas dû apprendre à votre cadet, c'est tant que si la personne sort de votre véhicule, vous ne sortez pas de votre véhicule. Et n'oubliez pas de mettre votre véhicule en biais quand vous contrôlez quelqu'un. Et on se met jamais face à la vitre conducteur. Toujours légèrement en arrière. Vous savez Pour pourquoi? éviter que la personne nous tire dessus potentiellement. Voilà. Et votre coéquipier, si vous êtes en la dame, votre coéquipier, lui, doit vous servir en retrait pour neutraliser les personnes. Ou votre enfant aussi. Jamais ce qui peut arriver sur un Donc, contrôle. vous avez une semaine pour apprendre, en effet, d'être beaucoup plus direct, de dire les ordres, d'avoir un peu plus de poigne, d'autorité, que ce soit avec vos hommes et aussi les citoyens. D'ici une semaine, je reviendrai vous voir C'est vous. bien pris. Et dans un mois, c'est-à-dire le 23 mars, je reviendrai voir Monsieur Simpson. Par contre, s'il fait bien son boulot, attendez-vous à ce qu'il passe quand même un grade de plus. Donc, pour résumer la thèse, ouais, mais sergent-chef, enfin, sergent, quand il passe, il termine de vacances, voilà. Pouvez déjà le faire maintenant, hein, comme ça au moins c'est tranquille. Il aura déjà un point en moins. Ça au moins un point à penser pendant ses vacances, et puis voilà. Je vais vous montrer déjà quel véhicule il pourra avoir. Je vais montrer les armes, car pourquoi il a accès, il me semble qu'il y a une mise à jour des armes, il me semble. C'est que ça va en chef. Effectivement. Donc voilà. Alors, où est-ce que c'est? Ici. Alors, je vais voir avec mon supérieur Tiens. concernant Monsieur Brandt. Mais malheureusement, je pense que il y a fort de chances que c'est de la prison. Il y a une forte amende aussi. On va pas retenir le fait des soins médicaux parce qu'il a déjà donné une enveloppe à M. Simpson de 5 000 dollars. Donc bon. Il y aura une amende et puis je pense de la prison. Et moi d'ailleurs, je porte plainte. Hein. Oui, ça Type c'est. beaucoup de prison. Je sais même pas quel âge il a, cette personne. 58 ans, il me semble. Oui, c'est ça. Prendra une bonne dizaine d'années. Parce que ça va loin quand même de faire une tentative de domicile sur un agent. Mais bref. Hop là, ça c'est fait. Et par contre, j'exige que vous preniez sa plainte. Par contre, vous nous envoyez un copier-coller à nous, la CIA, de votre. Poser de la plainte, c'est noté, Voilà. c'est noté. Comme ça, tout ce qu'il dira. Et monsieur Simpson, essayez de n'oublier aucun détail.
Non, ça, vous inquiétez pas. Tous les détails. Même ceux qui semblent insignifiants. Toujours être utile. J'ai l'impression que Mais bon, peut-être que ce vous... monsieur Brandt est un petit peu irritable, mais bon. Et ça peut se comprendre, hein. Ça peut se comprendre. Oui, mais de là, tu es un agent de service, bon, pas top. Service. Excusez-moi. Voilà, putain. Bon. Et n'oubliez pas votre compromis, monsieur Simpson. Comment? T'as pas entendu. N'oubliez pas votre compromis entre vous et moi. Non, vous inquiétez pas, ok. Parce que le 23 mars, je reviens vous voir. Oui, Oh, dans une semaine, ça j'ai bien noté. le 23 mars, dans une Pas semaine? trop pour... Non, je disais pour moi dans une semaine. Eh! Et moi je vais prendre un rendez-vous avec le médecin dans la fin des vacances. Commander des médicaments pour le stress. J'espère que ces médicaments ne vont pas vous rendre comme un zombie. Ce serait préjudiciable quand même. Faites gaffe et évitez les médicaments de niveau 2. Vous savez, sur les boîtes, il y a souvent des niveaux. Niveau 3, niveau 2. Oui, vous Ouais, inquiétez pas. ouais. Niveau 2, là c'est pas très bien. Le 3. Qu'est-ce que j'ai eu avant de reprendre mon service? D'accord. Médicaments qui rendent en mode zombie. Ouais. Ça ne me Ça prend pas de allait ça. très bien. Ça n'est pas très bien. Oui, j'en doute pas. Moitié endormi. Bon, peut-être plus dépressif, d'accord, mais moitié endormi, super, super. Ce serait con que M. Simpson meure parce qu'il est endormi. Ah oui, je peux paraître un petit peu direct et un petit peu sévère avec vous. Mais bon, faut pas oublier qu'à la base, je reste quand même vos supérieurs et surtout la supérieure de Monsieur Renfort, en tant que capitaine. Puis moi, au-dessus, il y a le grand maître, si je peux dire. Mais bon. Mais bon, il y a Chef de fort la de chances signature que. au-dessus de vous aussi, je suppose. Mais. Dans Pas quelques encore. temps, les Enfin, agents c'est le que. président, mais. Dans quelques temps, je pense que. Dans quelques. Non, le président, je pense que c'est vacant. Dans quelques temps, je pense que les agents que vous connaissez actuellement, je pense que vous ne les reverrez plus. Bon, une dernière Ah. fois, peut-être. Non. Non, non. Comment? Vous allez prendre votre retraite? Peut-être, peut-être pas. Vous allez nous quitter, l'agent 12? Tout ça. C'est pas encore, hein, j'ai encore quelques temps pour bosser. Ah oui, parce que... C'est bien de manquer sinon. Il y aura quelqu'un d'autre pour vous casser les couilles, si je peux dire. Bah non! Oh non! Oh non, on vous veut vous, c'est bon. Oui. Ça sera peut-être quelqu'un de plus gentil. Ça sera peut-être un Sans vouloir mouton. vous offenser, hein, mais... Non, non. Sans vouloir vous offenser, connaissant la CIA, ça m'étonnerait. C'est sûr qu'on recrute pas n'importe qui. Donc déjà, le mouton, le doudou, on oublie. Et vous oubliez aussi la tétine. Non. Parce que nous, la CIA, à la place de la tétine, on a autre chose dans les mains. Tout petit, tout petit, tout petit. Mais bon. J'espère que cette discussion sera la dernière. Messieurs. Oui, Enfin, la dernière avant celle d'une semaine et celle dans un mois. Ouais, mais j'espère que les prochaines discussions seront plus positives. J'espère pas aussi. Petite Vous astuce, pouvez monsieur trouver Renfant, de... si
Vous endormez beaucoup trop en service. Peut-être boisson énergisante, je sais pas ce que vous préférez. Vous vous réveillez et vous êtes d'aplomb. Si je prends un truc énergisant après, non, non, non. J'ai dormi avec pile électrique, c'est pas le but. C'est pas le but. Tant mieux! Ah putain de merde!